L'innovation avec vous, Anissa Mbida. Et ce matin, une bonne nouvelle pour ceux qui courent après les prises pour recharger leur portable en permanence. J'en connais quelques-unes ici. Il y aura bientôt des batteries qui tiennent la charge plus de 10 000 ans. Ça devrait suffire. C'est pas une blague. Hein. 10 000 ans, l'équivalent du temps passé par les humains sur Terre, alors que mon téléphone tient à peine la journée. Alors, cette batterie perpétuelle, on la doit à des chercheurs de l'université de Bristol en Angleterre. Son secret, c'est qu'elle est nucléaire. Elle est conçue à partir de déchets radioactifs qu'on a transformés en diamant. En plus, on aura trois bras pour tenir nos téléphones, c'est pratique. C'est la structure du diamant radioactif qui permet de générer l'électricité tant qu'il y a de la radioactivité, ce qui permet de tenir pendant des dizaines de milliers d'années. Bon, mais comment on transforme des déchets radioactifs en diamants? Il faut savoir qu'un diamant, c'est simplement du carbone qui s'est cristallisé à des températures et des pressions extrêmes. Or, dans les déchets nucléaires, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du carbone, et c'est ce carbone qu'on chauffe, qu'on met sous pression, et qui devient un diamant batterie. D'ailleurs, au passage, c'est comme ça qu'on fabrique les diamants artificiels. Le seul problème avec cette technique, c'est qu'on obtient de tout petits diamants, donc de toutes petites batteries, l'équivalent de petites pipes. De pile bâton, c'est pas facile à dire. N'empêche qu'on parle de diamants, donc j'imagine que ça va coûter cher cette batterie incroyable. Oui, mais on parle quand même de batterie perpétuelle, Thomas. 10 000 ans d'autonomie. Et surtout, moi, ce que je trouve le plus important, c'est qu'on recycle des déchets nucléaires pour en faire une énergie propre. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà encore une solution d'avenir proposée par Anissa Mbida dans l'innovation. À demain matin, Anissa.